Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Du bruit encore pour Julien Leclerc. Ouais, s'il vous plaît. Charles, t'es avec nous. Ah, oh, j'achète. Merci beaucoup. Et alors, étant donné que nous avons la chance d'avoir le meilleur poseur de questions du pays et même d'Europe, j'ai pas pu résister. En préparant l'émission, nous avons longtemps cherché un jeu à faire. Et puis, nous nous sommes rendus à l'évidence tout de suite sur VL. Voilà. Question pour un champion avec Julien Lepers. Ouais. Eh bien les amis, bonjour, on va tout de suite commencer cette question pour un champion avec Julien. Bonsoir Julien. Julien, vous nous venez d'où et vous faites quoi exactement dans la vie, Julien? Je viens de Joinville-le-Bon dans le 94 et je suis stripteaseur à mi-temps. Et libertin à temps complet avec mon ami Lolo. Libertin à temps complet, ouais. Oh merci Julien, c'est super. Vous êtes dominant, dominé, vous faites quoi? Je suis un mal dominant, moi. Ok, c'est bon. Mais que c'est bon tout ça. On s'en lasse pas. Alors je vais vous poser une petite question, si vous le voulez bien, mon cher Julien. Si attention, je peux me permettre, Julien, pardon, on a tous les sons de questions pour un champion, sauf le petit top du chrono. C'est dommage, parce que celui-là, c'est dommage, mais je l'ai pas trouvé. Attention, tout le monde est prêt, on peut y aller, oui, silence total. Ouais. Attention, top, quel roman de Victor Hugo, dont l'action se déroule à Paris, a donné son nom à une comédie musicale. Victor Hugo. Notre-Dame. Bah bien, Notre-Dame de quoi? De Paris. Mais bien sûr. Ouais, voilà. Alors, c'est pour toi, Alec. Ça, c'est un cadeau, ça. Un cadeau. Alors là, évidemment, Julien, là, ça se complique un peu. C'est énorme. C'est incroyable. C'est incroyable. Julien, attendez, les amis, rien que le début. Quel roman? Je cherche un roman. Mais oui, c'est extraordinaire. Du bruit, s'il vous plaît, c'est extraordinaire. Ce qu'on est en train de vivre, Julien. C'est incroyable. Alors, il n'a pas d'ego et il est humble. Et c'est vraiment pour ça qu'on l'aime encore plus. Julien, alors, bravo, merci. Cette question-là. Mais par contre, là, c'est une question pour un champion. Je ferme ma gueule. Et là, ça se corse. C'est ça. Ça se corse. Julien, c'est à toi. Quel est ce groupe? C'est un groupe de musiciens. Mais comment s'appelle ce groupe de musiciens? Qui porte le nom d'une ville du Japon. Et Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, mais j'allais le dire. Tokyo Hotel. Oui, Sarah, bien. Tokyo Hotel. Et voilà, Julien, voilà. Sarah, Tokyo Hotel, merci d'accord. Merci beaucoup. Et ben voilà. Ça fait 2 points pour Julien. Bah, bravo Julien, ça vous fait donc 2 points. Voilà. Vous voulez qu'on continue? On va passer à Rachel. Oui. Rachel. Oui, bonsoir. Rachel, bonsoir Rachel. Bonsoir. On passe à la belle Rachel. Vous faites quoi dans la vie, Rachel? Bonsoir, je m'appelle Rachel, je suis caissière à Auchan, mais j'espère remonter de poste et devenir caissière à Carrefour. J'oublie, j'habite Paris et j'embrasse mon copain Vincent. Bisous, je t'embrasse. Eh ben, on embrasse évidemment Vincent. Vous êtes prête pour le jeu, Rachel? Oui. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, monsieur Lepers. Attention, top, quel est le principal dieu des Grecs? Le dieu Martial. Des Grecs. Le dieu des Grecs, les autres peuvent jouer. Quel est? Pardon? Zeus. Oui. Bien joué, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Une deuxième question qui me paraît prenable, qui me paraît pas trop velue. Okay. Et cette question-là, c'est un monument qui est situé dans chaque commune française. Un monument. Une mairie. Non. Sur quel monument sont inscrits les soldats morts à la guerre? Les soldats morts à la guerre. Un cimetière. Ah non, Rachel. Non, attends. Un monument dans chaque commune avec les noms dessus des soldats morts à la guerre. Oh là là, je vais perdre. Non, tu vas pas perdre parce que tu vas gagner. Dans chaque commune, il y a donc un. Tu vois, il y en a des grands, des petits, des moyennes. De tout. Dans chaque commune, des villages. Je crois que malheureusement, c'est perdu, Julien. Je suis à Nice, il y a un magnifique monument aux morts. C'était le monument. C'est le monument aux morts. Oh. On applaudit quand même Rachel. Rachel qui a donc 1 point. On passe à Bishop. Il est où Bishop? Bishop. C'est moi, c'est moi. Alors Bishop, attention Bishop. Bishop. Mais d'où vient cette joie de vivre, ce sens de la fête, Bishop? Écoutez, je suis humoriste à mon temps perdu, de temps en temps. J'essaye en tout cas. C'est génial, en tout cas, j'aimerais bien être comme vous, vraiment. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite blague? J'aimerais bien. Trois, quatre. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il n'y avait pas de ballon sur. Celle-là, je ne connaissais pas. On me l'a jamais faite. Attends, pourquoi il y a. Il faut que tu la poses bien. Oui. Pourquoi il n'y a pas de ballon dans Question pour un champion? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que Julien Le Père. Oh oui! Ça, c'est beau. Ça, c'est bon, ça. Oh là là, quel humour. Bishop, Bishop, je suis à toi. Ouais. Voici cette première question, Bishop, si tu le veux bien. Oui. Une fable de La Fontaine. D'accord. Dans quelle fable de La Fontaine, un animal très économe s'oppose à un animal très dépensier? La cigale et la fourmi. Oui, bien joué. Ouais.
C'est facile. Ah, j'étais jusqu'en CM2. Politique. Ouais, politique. Deuxième question pour toi, Bishop. En France, ici, chez nous, en France, oui. Quel président succède à De Gaulle? Vas-y. Il y a Charles Pompidou. De Gaulle. Oui, Georges Pompidou. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bravo. Deux points pour Bishop, la famille. Deux points, d'accord. Alors, on passe maintenant à la jeune Sarah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes toute jeune, Sarah, hein? Tout à fait. Bonjour Julien. Mignonne, bonjour cette tout le monde. Sarah, bonjour Sarah. J'ai 22 ans. 22 ans. Je viens oui. de Paris. Enfin, j'habite à côté. Enfin, 3 heures de route. Mais bon, ça fait mieux à la télé de dire Paris. Donc, Paris. Effectivement, ça fait mieux pour la télé, Sarah, ça c'est sûr. Alors, on va passer au jeu. Vous êtes prête, Sarah? Je suis prête, Julien. Attention, Sarah, on est bien sûr qu'on est bien prête, hein? Ah, je suis super prête. Attention, question. Top, quelle matière? Quelle matière blanche recouvre la surface extérieure des dents? Les mailles. Oui, ça c'est bien joué. Les mailles, très bien. Comme ton pull. Les mailles des dents, super. Donnez-moi maintenant, vous connaissez Paris, très bien Paris même. Paris. Oui, Paris. Capitale de la. De la France, Paris. Bah oui, bien oui. sûr, la capitale jusque-là, ça va. De l'amour. Ouais, jusque-là, ça va. Et je dirais même capitale de l'amour. Oui, absolument. Alors il y a un quartier dans le 18e arrondissement de Paris. Et je vais vous demander le nom de ce quartier. Quel quartier du 18e doit son nom au fait qu'il est situé sur une butte? Le Sacré-Cœur? Non, excusez-moi. On dit là, on appelle la butte. La butte Chaumont. Ça, c'est non. En fait, il y a deux buttes. C'est l'autre. C'est pas la butte Chaumont. La butte de Montmartre? C'est la butte de Montmartre. Montmartre, exactement. Yes. Mais ça reste bien une mauvaise réponse pour Sarah qui n'a qu'un point. Et on passe. Eh bien, on va passer maintenant à ce jeune Thibaut. Répondez pas pour les autres, la famille. Hein. Je sais que vous voulez étaler votre culture. Comment allez-vous, mais monsieur ne Thibault répondez pas. Bonsoir, Julien. Ça il va bien, bien ce jeune Thibaut. Bon, alors vous êtes dentiste, hein, je crois. Non, moi je suis plaquiste de métier. Mais bon, en ce moment, je fais une petite pause parce que j'anime une émission sur la lunette de vue, lunette de soleil sur une petite radio. Eh bien, super, Alexandre. Ça me fait plaisir. Alors, on va passer au. Passer au jeu. C'est exactement attention. Comme ça que je l'ai pensé en l'écrivant. Ça, ouais. Ça me fait plaisir. Attention, on passe au jeu, vous êtes prêts. Hein. Allez-y. Donnez-moi, top, quel acteur. Donnez-moi cet acteur qui s'est rendu célèbre grâce à une série Urgence. Georges Clooney. Oui, bien sûr. Oui. Bravo. Ah là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Deuxième question pour ce jeune Thibaut. Quel homme célèbre a mis au point l'écriture pour non-voyants? Louis Braille. Bravo. Oh, là, c'était beau ça. Ça c'est beau. Ça s'applaudit. Ah ouais. Il est beau hein ce. Ça fait beau. Deux points et on passe à Flora pour terminer Flora. La première. Elle est où, cette jeune Flora, elle est là juste à côté de moi. Bonsoir, Flora, bonsoir et elle va donc finir cette première manche. Tout va bien, vous faites quoi dans la vie, Flora? Écoutez, oui, bonsoir, mais moi je suis esthéticienne, mais actuellement je m'occupe de mon quatrième enfant et je me consacre à mon mari. La femme au foyer donc, hein? Voilà, c'est ça. Alors de temps en temps, c'est vrai que je deal un peu de shit aussi pour arrondir mes fins de mois. T'as quoi? Attends, t'as dit quoi? Un peu de quoi? De shit. Oh pardon, j'avais pas... Ah, oui, non, c'est pas vrai. Attends. Vous dealez un peu de shit. Un peu de shit, oui. Pour arrondir. Imagine ça sur France 3. Ça le fait pas, on est dehors. Tout le monde est dehors. Tout le monde dehors. Ah bah oui, il faut et bien. Et parfois, qu'est-ce que vous faites alors? Et alors parfois, je fais des go-fast aussi entre l'Espagne et des quoi? Attends. Qu'est-ce que... Alors, vous dealez un peu de shit et oui. Qu'est-ce que vous faites parfois? Des go-fast. Ah oui, des go-fast. Voilà. Ah ouais, entre où et où? Espagne et sud de la France. Oui, d'accord. Alors, des fois Toulon, des fois Nice, ça dépend. Ah oui, Nice aussi, vous pouvez faire Ouais. Mais sinon, je suis chez moi. D'accord. Très bien, bah, c'est bien ce que vous faites, c'est très bien. Et on va passer au jeu, Flora, hein, je crois que c'est mieux. Ouais. Alors, comment? Attention, top, comment? Comment appelle-t-on un film avec des cow-boys et des indiens? Un western. Bien sûr. Et donnez-moi la réponse à cette question. Si je vous demande la capitale de l'Argentine, qu'est-ce que vous me dites? Capitale de l'Argentine. Capitale de l'Argentine, trois réponses possibles. Première. Buenos Aires. Oui, oh, oui. Ça c'est bon. Oui, ça c'est bien. C'est super, il n'y a plus de fiches. Hey, un grand professionnel, Julien, encore du bruit parce que le jeu n'est pas fini, la famille. On va passer à la finale. Les questions sont là, Julien. Alors, juste avant, je voudrais vous préciser que là, vous avez beaucoup. Alors, Julien a 2 points, Bishop a 2 points, Thibaut a 2 points, Flora a 2 points. Donc, c'est Julien qui va sélectionner les deux vainqueurs, ceux qui ont répondu le plus vite. Et je voulais dire que vous avez 3 choses à gagner, les amis. Oui. Comme dans Question pour un champion, vous aurez l'atlas en 13 volumes du petit os qui fait mal juste là, derrière le dos. Vous aurez également ce magnifique tuyau de climatisation. Ouais, très joli, c'est bien. Très, très joli pour Noël. On est content, franchement, on est content, Martial. Et l'intégrale de Jacques Chirac. Ah.
Il est beau, hein. Celle-là, il est bien. Un livre objet à lire, voire à manipuler. Il est magnifique, avec les lettres manuscrites de Jacques Chirac à l'intérieur, d'une valeur de 45 euros. Joli. Essayez de pas le gagner, c'est pour ma mamie Noël. Voilà. Bon. Alors, on va passer à la finale. Qui ont choisi pour la finale, Julien? On va choisir Julien. Voilà. Julien en premier. De ce côté-là, on prend qui entre Sarah, Thibaut et Flora? On va choisir la jeune Sarah. Eh bien, la jeune Sarah, c'est parti. On y va pour la finale de questions pour un champion. Jingle. Jingle. Ah ouais, ça me rappelle quelques souvenirs, ça. Julien, le pas là. Alors, Martial, toujours avec deux questions par finaliste. Mais attention, les questions sont plus longues et plus compliquées. Évidemment. On adore. Êtes-vous prêt? Tout le monde est prêt, là, on peut y aller, ceux qui doivent jouer. On démarre avec Julien. Top, il s'agit d'une substance liquide. Je suis présenté en flacon, bouteille ou sous forme de cartouche. Je suis fabriqué à partir de colorants d'origine naturelle ou chimique, situé dans un solvant. Mes nombreuses couleurs font de moi une base indispensable en imprimerie. Mais autrefois, les écoliers qui écrivaient avec un porte-plume ne connaissaient que trois couleurs, rouge, noir ou violette. Je suis l'encre. Oui. Bravo Julien. Deuxième question. On en est où, Martial? Deuxième question. Attention, tout le monde joue. Actrice, chanteuse française, née en 71. Je suis la fille de parents célèbres dans le milieu artistique. Je fais mes débuts au cinéma à 13 ans. Mais c'est dans le film L'Effronté que le public me découvre. Puis je tourne dans La Petite Voleuse, dans Merci la vie. J'ai aussi chanté avec mon père, des papa, des chansons, des enfants scandales. Je suis depuis plus de 20 ans la compagne d'Yvan Attal. Yvan Attal, je suis. Oh non, là tu sais. Ton passe. Non mais c'est pas possible. C'est fini pour Julien. Il n'a qu'un point pour Charlotte cette finale. Gainsbourg. C'était Charlotte Gainsbourg. Ah, ouais. C'est Charlotte. Bah, l'Effronté, bien sûr, c'est elle. Oui. On passe Charlotte. À la deuxième Gainsbourg. Finale. Alors, avec Sarah. C'est Sarah. Attention. Top fruit. Donnez-moi ce fruit. Donnez-moi. Fruit parfois appelé groseille de Chine. Je suis originaire des régions montagneuses et tropicales de Chine. Et je suis désormais acclimaté dans de nombreux pays tempérés. Je suis très riche en vitamines, en calcium, en fer. Je suis un fruit un peu plus gros qu'un œuf, de couleur brun, vert, extrémité aplatie à la peau velue. Ma chair verte, légèrement sucrée, contient de minuscules graines noires, portant le même nom qu'un oiseau tropical. Le kiwi. Ça fait un partout. Si Sarah répond à cette question, elle gagne le coffret Chirac. Oh, joli. Ouais. Mais, il faut répondre à ça, Sarah. Très bien. Bon courage. J'attends de voir. Bonne chance. Merci. Top, une série. Quelle est cette série de romans policiers pour enfants et jeunes adolescents? J'ai été publié en France dans les années 60, dans la collection de la Bibliothèque Rose, et je suis toujours réédité. J'ai même fait l'objet de quelques films et de BD. Je relate les aventures de quatre enfants détectives et de leur chien Dagobert. On retrouve nos cinq héros en vacances, en randonnée, en roulotte, dans une maison hantée, évoquant cinq complices. Je suis... Chut. Sarah. Si. Cinq complices. Déjà, le 5, ça vous met sur la voie, le 5. Donc, il s'agit d'un ensemble. Les 5 mousquetaires, non. C'est non. Un ensemble des 5. C'est-à-dire. C'est comme. Je crois qu'on va l'aider, comme... Bishop. Oui. Le club des 5. Bah, voilà. Bishop, on est d'accord, Bishop. Et ça fait. Asseyez-vous, Julien. Ça fait un partout. Vous savez quoi? Ils ont tous gagné ce soir. Mais bien sûr. J'adore. Et un maximum de bruit pour Julien Le Pen. Oui. Julien Le Père sera bientôt de retour dans vos postes de télévision. Après 30 ans de carrière, il est de retour. Cyril Hanouna n'est plus. Ouais. Julien Le Père, Snacky. Ouais. Joli. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.